ça va? Alors, de retour à Groupon. Oui. Avec le groupe Écorce. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vas interpréter aujourd'hui alors? Alors, aujourd'hui, on va commencer par une pièce que j'ai écrite pour un stage. C'était cet été, je faisais un stage, donc j'ai composé une pièce pour l'orchestre du stage. Et après, on va faire le concerto pour violoncelle de Dvorak avec Raphaël Jouan en soliste. Et on finira par la sixième et dernière symphonie de Tchaïkovski, la pathétique, voilà, qui finit un peu lourd d'émotion. C'est un concert un peu voilà, lourd d'émotion. Ton orchestre est composé de combien de musiciens? Là, on a un peu moins d'une cinquantaine de musiciens. Donc voilà, c'est un orchestre symphonique, donc il y a toutes les cordes, violon, alto, violoncelle, contrebasse. Et puis après, on a flûte, piccolo, clarinette, hautbois, basson, quatre cordes, trois trombones à tuba, deux trompettes et puis des percussions. Et ils viennent d'où? Ils viennent de sur Paris, sur des étudiants, il y en a qui viennent aussi d'autres lieux, d'autres villes, Bruxelles, on a Chartres, on a bien même qui viennent du Japon, donc, mais bon, ils ont fait leurs études en France, donc voilà, c'est... Alors bonjour monsieur le maire, on en est à la milieu de la soirée, quel est le bilan que vous pouvez dresser de cette édition des automnales de Groupon? Bah, c'est une édition qui tient la route, comme chaque année, où on a un bon programme. Je crois que les gens ont bien répondu. On a hier à l'église, rempli l'église avec Jean-Claude Borély, qui vraiment s'est prêté au jeu et a fait un exercice musical de très haute qualité. Et donc aujourd'hui, on a commencé par les muses. Trois jolies femmes sont maîtres de leur instrument, le violon et électrique. Et vraiment, ils ont chanté la salle là, pendant toute la première partie. Et là, on est en train d'attendre que le groupe Écorce, l'orchestre, se prépare de plus de 40 musiciens. Et vraiment, ça va être encore un grand concert cette année de haute tenue. Je pense qu'on peut se féliciter d'organiser ces automnales qui sont vraiment ouverts à tout public, à des prix vraiment attractifs pour tout le monde, pour ceux qui ont envie de connaître la musique classique, la grande musique, et bien de pouvoir venir sans dépenser trop cher et découvrir un art que malheureusement beaucoup d'enfants, de jeunes, de familles ne connaissent pas. Voilà, c'est l'objectif de ces automnales. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Très bonne soirée à vous. Merci.